bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire de ce journal. Visite de travail du Premier ministre somalien à Djibouti. Et puis le Premier ministre reçoit une délégation notamment composée du gouverneur de la Banque centrale de la région du Comesa. Le Premier ministre somalien, M. Abdel Wasser, est arrivé aujourd'hui dans la capitale pour une visite de travail et d'amitié de 2 jours dans notre pays. Le nouveau Premier ministre somalien, qui effectue ainsi sa première visite de travail à Djibouti, est à la tête d'une forte délégation composée de plusieurs membres du gouvernement somalien et a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international d'Ambouli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont notamment les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur somalien à Djibouti. Le Premier ministre somalien, M. Abdel Wasser, qui a eu un premier entretien d'amitié avec le Premier ministre au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti, s'est déclaré réjoui des rencontres avec les responsables djiboutiens. Dans une interview accordée à la presse, à son arrivée à l'aéroport, le Premier ministre somalien a indiqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre des relations d'amitié et de coopération bilatérales qui existent depuis de longues années entre les deux pays frères, en rappelant notamment que Djibouti a toujours démontré sa volonté d'aide pour la Somalie pour parvenir à une paix juste et durable à travers de multiples actions d'assistance pour la réconciliation inter-somalienne. دنا بدن سومالی جبوتی و ده هیان و اوی می دونم کشور و آن کشور که استانو وحی من کسب سمت اسیدی این وحه این هدف و لقبان این اسی حوجین لهین و اسی بلارین لهین ولایت عبدالولی وحی اوی می دی جبوتی وحی اسکاش دهجرت جبوتی یا سومالی شق اوی می دی ربعی شو بجوگی انشالله وان دمن نویحان. Une délégation conduite par le gouverneur de la Banque centrale régionale du Comesa, M. Hamidou Tade, a entamé ce matin une visite de travail à Djibouti, où il a eu une série de premières rencontres avec les hauts responsables politiques et économiques du pays. La délégation de la Banque centrale du Comesa, composée des 5 membres, a été reçue en fin de matinée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, en présence notamment du ministre de l'Économie et des Finances, M. Elias Moussa Dawali, qui est aussi président en exercice du Conseil des ministres des Finances du Comesa. Avant cette rencontre avec le Premier ministre, la délégation conduite par les gouverneurs de la Banque centrale du Comesa a été reçue par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Elias Moussa Dawale. Le ministre qui est aussi, on le rappelle, président du Conseil des ministres des Finances des pays membres du Comesa, souhaitait la bienvenue aux membres de la délégation de la Banque centrale et régionale du Comesa. Dans leur entretien, le ministre et les gouverneurs de la Banque centrale du Comesa ont exprimé leur volonté d'œuvrer ensemble pour renforcer le partenariat pour le développement économique régional. Toujours dans le cadre de cette deuxième visite de travail à Djibouti, la délégation conduite par le gouverneur de la Banque centrale du Comesa, M. Hamidou Tade, a été reçue par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane Ali. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment de la directrice des finances, Mme Mariam Mahamadou, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti et les membres de la délégation de la Banque régionale du Comesa ont discuté des possibilités de redynamiser le partenariat de coopération économique entre les deux institutions. Monsieur Amadou Tadesse, qui est à la tête de la Banque depuis quelques années, justement pour faire un peu le contour de l'évolution de la Banque depuis l'année dernière, puisque M. Tadesse nous a rendu visite l'année dernière. Et depuis, la Banque a évolué. Nous avons également évolué, puisque Djibouti a pu ainsi apurer tous les arriérés que nous avions avec la banque. Maintenant que nous avons l'opportunité de pouvoir profiter grâce à cet apurement de tous les financements de la banque de la ZEP,
il était important que cette mission de la banque vienne à Djibouti pour voir les opportunités, pour rencontrer les commerçants, pour rencontrer tous les décideurs et présenter un peu les activités de la banque aux principaux opérateurs de Djibouti. C'est en ce sens qu'ils auront une réunion demain avec la Chambre de commerce et des réunions bilatérales avec pas mal de gros investisseurs. Justement, cet atelier qui aura lieu demain au Kapeski permettra aux opérateurs de prendre connaissance des activités de la Banque de la ZEP. La Banque de la ZEP est une banque qui a été créée il y a une vingtaine d'années, qui regroupe une vingtaine de pays maintenant. Djibouti faisait partie des pays fondateurs de la Banque de la ZEP. Compte tenu de notre système bancaire et financier à Djibouti, nous n'avons pas accompagné, nous n'avons pu profiter de financement de la Banque de la ZEP parce que nous avions une place financière par rapport aux pays régionaux qui était plus favorable dans la mesure où nous avions des ressources, nous avions une relation directe avec les principaux banques étrangères à travers le monde et nous n'avons pas de problème de devise, ce qui fait que nous n'avions pas fait appel à la Banque de la ZEP pour financer nos opérations d'import-export. Mais la banque a beaucoup évolué depuis. Et elle est maintenant en mesure de financer des activités de commerce à plus grande échelle. La banque a réussi à mobiliser de ressources importantes en permettant aux États d'appuyer leurs arriérés, comme c'était le cas pour Djibouti. Mais la banque a également mobilisé pas mal de ressources des institutions internationales, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque islamique. Elle dispose notamment en ce moment de ressources financières importantes qui permettront à des opérateurs de s'appuyer dessus pour financer des lettres de crédit à des montants beaucoup plus importants que le font les banques commerciales à Djibouti. À ce sujet, toujours, le président de la Chambre des commerces de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, a reçu également cette délégation de la Banque de la ZEP, la zone économique préférentielle, qui effectue une visite de travail à Djibouti. Les gouverneurs de la banque du COMESA et les membres de la délégation se sont entretenus avec le président de la Chambre des commerces de Djibouti sur la situation économique de la sous-région et les possibilités d'accroître les relations de partenariat pour le développement socio-économique de la région. Justement dire que la délégation de la banque du COMESA est justement en visite à Djibouti, je crois sur invitation du ministère de l'économie et des finances, et pour pouvoir surtout discuter avec le secteur privé à Djibouti. Donc l'entretien que nous avons eu avec le président de la banque et ses collaborateurs était essentiellement lié comment créer un partenariat très avancé, où je dirais la banque Pitié était absente de la scène de la République pendant un certain temps. Et nous souhaitions à ce qu'il y ait une redynamisation de cette relation tout en préservant les relations que nous avions avec les autres bailleurs ou les autres banques régionales ou de développement régional. C'est ce que nous avions aussi soumis à la demande de la banque de la ZEP pour pouvoir montrer les opportunités qu'il y a avec les banques de la place, les banques commerciales. Et comme la banque de la ZEP, son rôle n'est pas d'être plus commercial, nous avions aussi invité les opérateurs financiers, dont les banques de la place, et les différents opérateurs privés qui auront des projets à soumettre et à proposer pour qu'ils puissent être étudiés et discutés avec ces partenariats. C'est cela qui permettra aussi un avancement majeur pour les opérateurs privés de pouvoir chercher des investissements importants dans le cadre des infrastructures liées avec la logistique, le tourisme, l'immobilier, pour que nos opérateurs puissent bénéficier aussi des différentes opportunités de développement avec les banques de la région.
Dans le reste de l'actualité, cérémonie de signature d'un accord cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Chambre des commerces de Djibouti a eu lieu aujourd'hui dans les cabinets du MENFOP, présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal El Mouki, et le président de la Chambre des commerces, M. Youssouf Moussa Dawale, en présence des hauts cadres du ministère de l'Éducation et de la Chambre de commerce. L'objectif de cette rencontre était donc de signer un accord cadre national de partenariat entre les deux parties pour la mise en œuvre des actions communes portant sur le renforcement des secteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sont concernés par cet accord cadre national de partenariat les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle placés sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les entreprises qui adhèrent à la Chambre des commerces de Djibouti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Chambre des commerces de Djibouti conviennent ainsi d'organiser leur échange de manière permanente, d'associer leurs initiatives et leurs moyens pour favoriser le développement et de leurs relations. Cet accord cadre avec l'Éducation nationale. En effet, un mémorandum d'entente de cette ampleur n'a pas été mis en place entre l'Éducation nationale et le secteur privé depuis plusieurs années. Il est certain que l'engagement du secteur privé et sa collaboration avec l'Éducation nationale sont à la base du succès de cette initiative nécessaire au développement économique du pays. Ainsi, disposer d'une main-d'œuvre qualifiée est un atout certain dont nous avions discuté brièvement, Monsieur le Ministre, pour le pays et devrait mettre d'une part aux entreprises locales d'être plus compétitives et d'autre part d'accroître d'investisseurs étrangers pour lesquels ces critères représentent un avantage comparatif avec les pays de la région. Cette initiative mérite d'être saluée. J'espère qu'elle jettera la base d'une plus grande collaboration entre le ministère de l'Éducation et l'institution qu'est la Chambre de commerce de Djibouti. À son tour, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal El Mouki, a précisé dans son intervention que cet accord cadre entre son ministère et la Chambre des commerces de Djibouti revêtait une grande importance pour les secteurs de la formation professionnelle. Il s'est exprimé en ces termes, nous l'écoutons. Plaisir de vous accueillir dans mon département à l'occasion de la signature d'un accord cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et la Chambre de commerce. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à ce partenariat public-privé, initié par Son Excellence le Président de la République. Comme vous le savez, le Président de la République accorde une importance capitale à la formation professionnelle et comme mon département est en charge de cette question, il est indispensable de transformer en acte la politique du Président en mettant en place un partenariat privilégié avec le monde professionnel. La réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a entamé la révision de l'ensemble du dispositif de formation pour l'adapter aux besoins des entreprises nationaux et assurer un développement économique harmonieux du pays. Il s'agit aussi de donner aux jeunes djiboutiens des compétences et des savoir-faire qui leur permettront de mieux s'insérer dans le tissu économique du pays en réponse aux besoins des entreprises. Un pont doit être jeté entre les institutions de formation technique et professionnelle et le monde du travail. Cet accord cadre a pour objectif de renforcer le partenariat entre les opérateurs économiques et les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et puis au centre hospitalier ou médico-hospitalier des Dikil, une équipe de médecins spécialisés effectue des consultations en faveur de la population de la région de l'unité. Cette caravane médicale entre dans les cadres de la programmation mensuelle définie par le ministère de la Santé pour donner un accès aux populations des régions de l'intérieur aux soins spécialisés. C'est là une fois par mois. La mission médicale est composée des pédiatres, gynécologues, ORL et cardiologues. Les patients consultés ont été préalablement sélectionnés
par l'équipe médicale du centre médico-hospitalier, à savoir de nombreuses femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans. Le ministère de la Santé avait rapproché l'ensemble des soins spécialisés de la population des régions de l'intérieur afin d'éviter le déplacement des déplacements contraignants. Un cocktail d'adieu a été organisé hier soir à Djibouti Palace Kempinski en l'honneur de la représentante résidente et coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Radan Hajj Mahmoud. Étaient présents des représentants des agences des systèmes des Nations Unies ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale, M. Driss Arnaud Ali, et le ministre de l'Habitat, M. Mohamed Moussa Ibrahim, et des représentants des corps diplomatiques et des autorités du pays. Ces cocktails marquent le départ de Djibouti de la représentante du PNUD, coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Mme Hodan Hajj Mahmoud, à la suite d'un mandat de 4 années passé à Djibouti à la tête des agences des systèmes des Nations Unies.